Veuillez écouter la lecture des articles du Code civil qui régissent les rapports des conjoints entre eux. Article 143. Le mariage impose aux conjoints l'obligation réciproque de la cohabitation, de la fidélité et de l'assistance. Assez, Eugénio. Allez, monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Oh, lâche-le, s'il te plaît, lâche-le. Fiche-moi la paix. Non, je t'en prie, ça ne sert à rien. Mais c'est mon fils, à moi aussi. Viens ici. Papa ne t'a jamais frappé? Tu es fou, aucun homme ne m'a jamais frappé. Alors moi, je te frappe. Eugénio, mais tu es fou. Arrête, voyons, Eugénio, mais arrête. Aïe, tu me fais mal. Je t'en supplie, arrête, aïe. Descends, allez. Fais gaffe, je descends. Descends. Je descends. Tu descends. Descends! Bon, avec ou sans vous, votre femme les a fait, les enfants. Mais l'important, c'est pourquoi vous les avez faits. Pourquoi faites-vous encore des enfants? Tu as l'air crevé. Peut-être parce que je suis enceinte. Et tu me balances ça comme ça? Comment veux-tu que je te le dise? Eh bien, alors on l'offrira à Eugénio. Je suis sûr qu'il a envie d'avoir un petit frère. Toi, le mâle, tu veux faire un cadeau à ton fils d'un petit mâle, d'un autre mâle que moi je vais faire naître et porter jusque-là? Mais tu ne feras cadeau de rien à personne, parce que moi je ne veux pas le garder. Je ne veux pas le garder, tu entends? Vous dormez comment? Non, je voulais dire, vous dormez dans la même chambre? Il pense à se séparer avant même de se marier. Je t'en prie, Eugénio, ne provoque pas. Provoquer qui? Eux? Pour ta gouverne, je suis sexuellement saine, je couche avec qui je veux et quand j'en ai envie, sans aucune difficulté. Pauvre con! Fernanda! Eugénio! Première voiture, compartiment fumeur. Première voiture, compartiment fumeur.